mutanda pale ko na kutufukuza tutenda wapi doko moyo mna tayari kutoka hapa hatuna tayari kutoka hapa njua nini hatuna nafasi ya kwenda mutanda eko na birima bya mingi a exploiter bile birima bile eko navyo nous mangeons seulement les miettes il est tout qu'on a le kota angaria kakaloko seulement les miettes il est tout qu'on a le kota angaria kakaloko a tout qu'on a kuri aka tena nataka utubeba tutenda wapi yeye kuna birimu bya mingi kuna tafuna na manje na shia tu kuna kata na bar de mina kin benye buluma wanetushikilia buluma netupashia de couverture sasa mtanda nata kutufukuza hapa na gouvernement yenye itangaria hii mambo na hii techikia hii mambo kutanda hapa mishi taweza kukonte wewe angare grand katanga fashi benye bananza kuya bamin tuko ba responsable bamin ni ba responsable na muntu kuna toka kule disons Kasumba lesse kuna kwa paka Lubumbashi kuna kwa paka hapo ndio fashi shaku bakia yashia kutumikia na hii karibu ya pia roki ya vita bao certains coopératives qui ont travaillé bien avant et les creusers étaient déjà là Mouta na est arrivé il a trouvé des creusers sur place il ne peut pas aujourd'hui utiliser de l'arrogance pour récupérer ceci même s'il cherche à s'expliquer dans le sens de vouloir engager quelques creusers chez lui, mais ça ne sera pas possible parce que même s'il faut engager aujourd'hui, il pourra engager 800 ou 1000 personnes. Alors qu'aujourd'hui, les sites régorgent à peu près 20 000 personnes qui travaillent. Donc aujourd'hui, laisser à Mutanda récupérer ces sites, c'est envoyer plus de 19 000 personnes au chômage et même sur le plan sécuritaire, il y a des dangers, même sur le plan, social, il y a des familles. Vous imaginez quand vous avez 19 000 personnes, vous avez combien 19 000 familles. Mais derrière chaque famille, on peut avoir par exemple 9 personnes. Donc il faut aller dans les 200 000 personnes qui vont souffrir si Mutanda arrive à récupérer ceci. Et il a expliqué également, c'est une manœuvre qui vient de Kinshasa. Il y a des mains noires, des gens qui travaillent 8 jours justement pour aller ceci. Alors que ce site a servi de beaucoup et continue à aider la population de ce camp. C'est lui en fait le responsable de ce village. Il est arrivé ici en 1978, alors que Mutanda n'était même pas là. Donc si Mutanda aujourd'hui veut gagner pour récupérer ce site, il n'a qu'à se référer à l'historique auprès de la personne qui était le premier arrivé ici, qui maîtrise le contour de ce site. Mais ce qui s'est passé pas normal. Au sol de télévision, nous sommes bel et bien au Lualaba. Et si Kato Zali et Zali Mabenaka, village Kawama. Kawama Mokotinango, chef, au Magomena, le chef coutumier, le Kola. Alors, si tu es au place de Sikawa, tu es au Shabara. Et si tu es allé à la Kawama, mais 20 000 personnes sont là. Je suis personnellement parce que je suis allé à la Je suis allé à la Kawama. Les conditions ici, les chefs de l'État étaient récemment ici. Les chefs de l'État a dit et Sengeli Bakolombo va jouir dans Mboka na Bango. Il ne faut pas que nous soyons à Bango. Il faut que nous soyons à Bango. Moi, je viens de là, j'ai vu tout ce que tu as. Na moni ma belé mon nene yozana. Et puis, on a dit que nous sommes Motema Makasi ya nini Motema Beyani. Qui est ce Congolais politicien qui est derrière ce dossier pour abattre la Congolais Mabéani la place Bazaoussa. Alors que nous devons protéger également Bato Bazaoussa l'exploitation artisanale. Vous devez les protéger, la loi est prévue. J'ai parlé avec maman gouverneur Yalualaba. Elle a reconnu qu'il y a protection. Aujourd'hui, il faut protéger ces gens. Les chefs de l'État l'avaient dit. Il y a des manœuvres politiciennes, Bato Bazan la mauvaise foi, qui veulent à tout prix Bato et Moussa Lessi là. Au profit d'une entreprise, société on a un mutanda, on va se retrouver, Et cette histoire, je vais m'impliquer personnellement. Naye awa parce que ce sont des Congolais. Je dois normalement partir demain à Bunia pour un autre travail. Mais naleki awa quelques heures, je dois aller à l'aéroport pour prendre la vie. Mais naye awa pour na ukuta na bakongolais, pour na solo na bango, pour ça na bango mukondi ambo kayo kango. Pour résoudre ango, nenge bango baza politique. Au solo télévision depuis Kawama. Pour les comptes des enquêtes, on va descendre sur le terrain. Vous allez vivre toutes les images. Et à tout à l'heure.
Le chef de l'État Zali magicien te poi ba makambole kakao. Il faut bino boloba. Et bozu li bakuma na musangwa e kotala bino po boloba. Poko na bino yokana. Bato bazana diaspora, bato bazana ma province mususu ba yokana bino pe mo kontia boka yokana po salsa. Na lingi bino mingi. Komba bozo menenga la koti komba wa. Na zana bino na kati ya bitumba na bino. Soki bozali na logique po ngala bundisaka ba di valeur na zo prone ba vraie valeur. Soki bino bozana raison na kotika bino. Sangwa kokota likambo na bino peto kubunda to kolonga po nzambe aza toujours na ngambo na biso nzambe atikaka bato baza sincère soko za ya solo zo sala makambo na yo po alobaki moto akoliaka na moto o zo sala yango nde okozoka obosala pe kofuta dimite na zo kaka bozolo bawa te pesa pari ya nzambe mwaye pe akolonga likambo ya ngwana osali likambo osambelaka quelque part ke ipe opesi dimite. Tala ba pauvre, soko zimwa eloko pesa pe ba pauvre. Nzambe atika kate bato bazokanisa ba pauvre. Bitumba bokunda yango te parce que mboka eza ya bino. Mupaya nyoso akoya, to moto alinga sa eloko na ifa se conformer na mobeko ya l'état. Moto mwa ko lika l'état na makasi azate. En tant que journaliste d'investigation, vous êtes sur le site de Kawama. Qu'est-ce que vous avez constaté? Non, mais d'abord, pour moi, c'est une opportunité. Ce n'est pas donné à tout le monde et tout le jour d'être ici. Mais j'ai reçu quand même la faveur pour être ici présent, communier avec les nombreux Congolais que j'ai trouvés sur place. Ce que j'ai constaté, j'ai trouvé d'abord une organisation. Une organisation dès l'entrée. Parce qu'il y a des sites, quand vous entrez, vous ne savez pas où commencer, où terminer. Mais ici, je trouve que tout est structuré. Et les gens qui travaillent ne se plaignent pas par rapport aux conditions de travail. Au contraire, ils parlent bien de la coopérative. C'est ce que j'ai aimé. Je n'ai pas trouvé de frustration, contrairement à ceux qui se disent. Ailleurs, il y a des gens qui peuvent colporter autour de leurs conditions de travail, mais eux-mêmes expliquent et témoignent qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et que le contrat est respecté. Ils ne payent aucun rond pour accéder ici, ils travaillent et dans la soirée, ils déposent leurs histoires, ils sont payés à la minute et ils savent comment il faut nouer les débuts du mois. Ce que j'ai aimé, c'est le respect des accords entre les créateurs et les responsables du site. Et un message clé également avec les bourreaux qui cherchent à tout prix ravir ces sites alors que ça bénéficie ou ça profite à plusieurs Congolais. Moi, je vais me mettre ensemble avec ce Congolais pour combattre ces gens-là.